Entrepreneuriat féminin au Cap-Oriental, les femmes rencontrent de gros problèmes pour se lancer dans le domaine de l'immobilier. Selon Suzanne Chala, une entrepreneur de Mbujimayi, les obstacles culturels et les prix élevés des matériaux de construction dans cette région isolée de la République démocratique du Congo sont quelques-unes des raisons évoquées. Suzanne Chala a parlé au micro de Franck Mimpi. Vous avez votre agence? Vous marquez bien l'agence immobilière. Les gens viennent, des patrons, des grands bonnets, ils viennent, ils visitent. La première question à poser là-bas, mais qui est responsable? Oui, c'est la dame ici. Mais nous, on peut vraiment parler avec la dame. Des choses comme ça, on doit négocier avec les hommes. Donc, à cause de tout ça, j'avais fermé il y a maintenant 15 ans déjà. Et j'œuvre à Kinshasa. Je suis un beau jeune, mais je continue à œuvrer dans les immobiliers à Kinshasa. C'est quand il y a un marché là-bas, on m'appelle, j'ai fait des descentes à Kinshasa, ou soit je donne des recommandations, je discute le plus par téléphone et on m'envoie ma commission. Parce que vous connaissez Mbujimayi, ici chez nous, nous avons des réalités en tant que femme. La femme n'a jamais été libre. La femme n'a jamais été accompagnée par qui que ce soit. La femme est toujours marginalisée. Parfois, c'est elle-même la femme qui occasionne tout ça. Parce que je ne peux pas aller seulement condamnant les hommes ou les autres. Je dois commencer par me condamner moi-même en tant que femme. Mais ça, c'est un fait. Hein. Vous savez, un sac de ciment, il coûte combien aujourd'hui? À Kinshasa, avec $100, moi j'ai mes 10 sacs de ciment. Mais ici, en Bougement, $100, vous avez deux sacs de ciment. Est-ce qu'avec ça, on peut vraiment parler des immobilières que quelqu'un peut facilement construire une maison et puis l'achever? Avec $1000 à Kinshasa, vous construire, vous pouvez lever le mur, vous pouvez arriver à un stade là, et le tout est sur place et à moins cher. C'est vraiment moins coûteux. Tandis que ça, c'est le quadruple, c'est le triple. Donc, c'est aussi un obstacle.